Hey les copains, c'est le petit YoYo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas publié de vidéo, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour, on va dire, vous expliquer en d'autres termes pourquoi il n'y a rien eu depuis ces temps-ci, ou alors très très peu, genre les lives qu'on a fait ces dernièrement. Donc c'est pour ça, là je suis en train de jouer en même temps sur Call of Duty Black Ops 4, donc c'est pour ça que je vais tout vous expliquer en même temps. Déjà, premièrement, comme vous avez pu voir, Black Ops 4 est sorti il n'y a incessamment sous peu. Donc Tomb Raider, pour l'instant j'ai laissé le let's play, on va dire, en cours de côté, parce que voilà, Call of Duty est arrivé, j'ai voulu essayer le jeu, et puis vu que le jeu me plaît assez fortement, donc pour le multi et Blackout, donc le Battle Royale, disons que là Tomb Raider depuis, je l'ai pas retouché depuis. Donc Tomb Raider pour l'instant, le let's play, je le continuerai, ça il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que voilà, je suis beaucoup sur ce jeu en ce moment, je suis assez hypé, on va dire. Tiens, qu'est-ce que tu foutais là, toi? Donc voilà, donc aussi, il y a bientôt, donc le 13 novembre, si je ne me trompe pas, il y a bientôt aussi le DLC de Ark qui va bientôt arriver, donc Extinction, si je ne me trompe pas. Donc vu qu'il va arriver dans pas longtemps, merde, vu qu'il va arriver dans pas longtemps, c'est pareil, je sais pas du tout si je vais pour l'instant en priori l'acheter, parce qu'il y a d'autres priorités pour l'instant fin d'année qui vont arriver, notamment les fêtes de fin d'année et tout ça, mais il y a encore quelque chose d'autre qui va me coûter assez cher, mais je préfère pas en parler pour l'instant, j'attends que ça se fasse. Je sais pas du tout, parce que c'est très difficile quand même de parler tout en jouant, surtout en hardcore. Bon ennemi en vue. Donc je préfère quand même assez me concentrer en même temps. Bah victoire, bon bah c'est bien. Comme ça j'ai le temps de parler en attendant. Donc j'ai fait quoi? Du 7-3, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas fait une seule tête, donc ça m'embête un peu. Donc comme si je récapitule ce que je viens de dire, même si au bout de 3 minutes de vidéo pour l'instant, j'ai pas changé. Donc Tomb Raider pour l'instant, il est en suspens à cause de toutes les sorties qu'il y a eu récemment. Donc Call of, là il y a eu Assassin's Creed, il y a eu Red Dead Redemption aussi qui est sorti, donc très très bon jeu aussi. On a eu bientôt, il va y avoir Spyro le 13 novembre, mais par contre celui-là je ne le ferai pas parce que je vais le prendre sur la Switch. Mais d'ici là, je pense que d'ici janvier voire février, je pense reprendre des vidéos pas mal, parce qu'il y a pas mal de jeux qui vont arriver l'année prochaine qui sont extrêmement bien, notamment Resident Evil 2, là, le remake que j'attends beaucoup, ainsi que Jump Force qui devra arriver au mois de février si je me trompe pas. Donc voilà, c'est pour vous dire d'essayer de pas vous inquiéter. Donc déjà je remercie à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, donc d'être resté, de pas être désabonné justement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu. Donc déjà je vous remercie, je vous fais un gros merci pour ça, même si on essaie de faire de temps en temps 2-3 lives pour essayer de combler ce vide qu'il y a eu depuis 4 semaines si je me trompe pas, donc un gros mois on va dire. On essaie de faire ça, mais c'est après voilà, on a tous un travail à côté, on n'est pas vraiment là les week-ends, donc c'est un peu difficile. Donc comme je vous dis, en plus il y a un gros truc qui arrive fin d'année, donc pour moi, donc là ça va être c'est pareil, c'est très très difficile à gérer avec avec la console en ce moment. Et merde, t'es en train de camper, espèce de petite chaîne. Mais ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de lives en ce moment. Pas beaucoup de vidéos, mais beaucoup plus de lives. Genre des lives sur Call of, des lives sur Ark, même sur du Fortnite. Même si Fortnite en ce moment, c'est un peu, on va dire, c'est un peu en baisse, je dirais même. Ah, une tête, impeccable. Je viens de faire ma tête, là. Fortnite, ouais, j'essaie de finir mon pass de combat là, que j'ai eu pour la saison 6. Là, j'ai acheté le pass de combat parce qu'il y avait un des skins qui me plaisait dedans. Mais sinon, je pense que Fortnite, c'est pareil. Hein. Je vais finir la saison 6 et puis je vais le bâcler. Hein, parce que pour moi, depuis que Black Ops 4 est sorti, Fortnite, on y joue parce que j'ai ma soeur qui a vu qu'elle n'a pas encore Black Ops 4. Elle joue encore à Fortnite. Donc on va dessus pour on va dire pour l'accompagner, mais sinon à part ça, elle aurait eu Black Ops, on serait déjà tous sur Black Ops. Fortnite on l'aurait délaissé depuis un certain moment, ça c'est clair et net. Bah voilà, je pense que la vidéo ne va pas être très très longue, je pense faire 2-3 gameplays juste pour vous parler ça. Je vous referai un récapitulatif à la fin de la vidéo, parce que là je pense que je vais faire juste 3 petits gameplays pour dire, et j'en étais sûr, j'ai vu au dernier moment, voilà. Oh, une tête! Oh putain, celle-là était belle, celle-là. Ah, j'ai bien aimé. Bon, défaite. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, par contre, on s'est fait laminer. Bon, ça va, je suis en positif. Donc, je suis pas trop mal. 12-11. J'aurais pu faire mieux, je pense. Mais vu que je parle en même temps que je joue, il faut que je vous explique pas mal de choses. Donc, c'est un peu difficile à se concentrer. Par contre, lui, il avait un bon angle de vue pour tirer. Sachant que personne ne le voyait. Il était vers les spawns.
Ouais, il était pas mal là, il était pas mal. Donc voilà, la vidéo va être assez courte quand même parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc déjà, je vous dis, on va récapituler tout ça à la fin de la vidéo. Donc un gros merci à tous les abonnés qui sont restés sur la chaîne parce que ces dernières semaines étaient très dures. Donc un grand merci à vous d'être restés, notamment à certains abonnés qui sont régulatifs sur nos lives en ce moment. Même si on n'en fait pas pareil, on n'en fait pas non plus des masses, mais on a toujours les mêmes abonnés qui viennent sur le live et ça fait extrêmement plaisir. Donc je leur fais un gros merci. Donc vous verrez beaucoup plus de lives donc en ce moment jusqu'à fin d'année que des vidéos sur la chaîne. Même si les lives, je ne vais pas les laisser sur la chaîne parce que pour moi les lives sont pour moi c'est pas intéressant de laisser des lives sur notre chaîne parce que notamment personne ne voudra regarder des lives en rediffusion, ça ne sert strictement à rien personnellement. Surtout si vous faites des lives de, allez, on va dire 1h30, encore 1h30 ça peut passer, tout dépend ce que vous faites comme live. Mais pour moi, des lives qui durent plus de 2 heures, ça ne sert strictement à rien du tout de les laisser sur la chaîne. Bon, à moins qu'on reprend les gameplays, enfin le gameplay justement pour en faire un, pour couper et puis que ça fasse une vidéo, on va dire, de 15-20 minutes, là encore ce serait encore pas mal. Mais pour moi, laisser des lives de plus de 2 heures sur la chaîne ne sert strictement à rien parce que personne ne regardera la rediffusion parce que c'est beaucoup trop long. Donc déjà ça, deuxièmement, parce que voilà, maintenant chacun, Papin, moi et Alex, maintenant on a un travail à plein temps. Donc maintenant c'est très difficile de jouer à la console en ce moment, même si on fait des heures alternées de matin et après-midi. Donc on pourrait, mais le problème c'est qu'on est trop crevé. On fait 7-8 heures d'affilée dans la journée. Moi, tout ce que j'ai envie de rentrer, c'est juste me poser devant la console tranquille, puis jouer pépère, sans me faire une prise de tête pour faire une vidéo ou faire des lives. Je me répète assez souvent, mais voilà, je préfère le répéter pour que vous soyez bien informés sur ça, et que d'ici là, on reprendra les vidéos et puis les lives assez facilement, notamment à partir de janvier, je pense, janvier ou février, par là. Il y aura beaucoup plus de contenu à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo information vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et à la partager si ça vous intéresse, bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un live ou une vidéo. Tout dépend quand je vais la sortir. Il n'y a vraiment pas de date là. C'est vraiment, on fait un live ou on fait une vidéo, c'est random. Je vous le dis tout de suite. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ou de live. Allez, tchou les amis!